Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouvel épisode de The Scent. Je suis très très heureux de vous retrouver, je suis déjà dans l'effort pour être franc avec vous et c'est déjà très très difficile. Et là mesdames, messieurs, accrochez-vous bien, parce que ce n'est pas un, ce n'est pas deux, mais ce sont trois sommets aujourd'hui qu'on va enchaîner. Il est à peu près 10h, il fait assez frais, là je suis dans une forêt, donc je suis parfaitement abrité. On part en fait d'une station de ski, mais je pense qu'en haut, arrivé sur les crêtes, on devrait avoir une vue absolument imprenable sur toute la chaîne des Pyrénées. Restez bien entendu jusqu'à la fin de cette vidéo pour profiter de ce magnifique panorama. Et moi, je vais arrêter de parler. J'ai une pente assez ardue à gravir. On va nixer trois sommets aujourd'hui, prendre un petit peu d'avance sur notre projet des 100. Eh ben si je faisais 3 2000, hein, ça vous embouche à quoi quand même? Ou pas d'ailleurs? Ah oui, une chose que j'oubliais de vous dire, le dernier sommet c'est une grosse surprise, donc restez vraiment jusqu'au bout. Ce que j'ai complètement oublié de vous dire aussi, c'est que je suis parti sans manger. Du coup, j'ai un petit peu la dalle, il va être 1 heure à peu près, et j'ai excessivement faim. J'ai trouvé une petite solution, je mange des fleurs. C'est pas dégueu. Allez, on continue. Bon, alors, mes petites louloutes, on va tâcher de sortir une vidéo tous les dimanches. J'ai un peu la bouche pâteuse. Donc il y aura le maximum possible d'épisodes avec des invités. Il y aura peut-être aussi d'autres youtubeurs, qui sait, s'ils acceptent. L'idée, je trouve qu'elle est belle. Sans sommet, le challenge est présent. Par ailleurs, quand il n'y aura pas d'invité comme aujourd'hui, je vous demanderai une chose et je vous l'annoncerai avant sur Twitter ou dans la vidéo de la semaine précédente. Je vous demanderai de me donner un challenge à réaliser en montagne. Je veux que tu montes le sommet à cloche-pied, par exemple. Donc je vous demande, pour la prochaine vidéo, dans les commentaires de cette vidéo-là, de me proposer différents challenges à réaliser donc pour le prochain épisode. Mes très chers viewers, c'est un grand moment. Nyx s'apprête à nixer son deuxième sommet. Ça y est, nous y sommes. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on doit en faire trois. Le sommet est devant moi. Nyx est devant moi, il court vers le sommet et vous ne le voyez pas. Moi, je vois ça parfaitement. J'ai le panorama qui est magnifique juste derrière. Et vous, vous êtes là, assis sur votre siège, à regarder là. Une tête de con qui parle devant sa caméra. Go! Pas s'arrêter en si bon chemin, c'est parti pour le deuxième. Let's go. Alors, il n'y a pas trop de chemin en fait, je marche sur les crêtes. On va essayer de ne pas se casser la gueule. Bon, les nuages sont assez bas, donc on n'est pas trop gêné visuellement, ça va. On peut s'orienter à la vue. Let's go, l'Américain. Je peux vous garantir qu'il nixe les sommets avec une espèce de nonchalance. Allez, on continue. Il nous reste un petit sommet à faire. Le plus dur. Mais on va y arriver. Eh bien, mes très chers, nous nixons le troisième sommet complètement sur les rotules. Ça y est, on arrive. On est à 300 mètres. Allez, on lâche pas. On ne lâche pas. Alléluia, nous arrivons. Yes, il l'a fait.
3 sommets en une journée. C'est génial ce qu'il a fait aujourd'hui, je suis très très fier de lui. Je suis très très fier de vous, je suis très très fier de moi. On en a chié mais on y est, ça y est. Et cerise sur le gâteau mesdames, messieurs, parce que ce sommet n'est autre que le tout premier sommet qu'a Gravinix il y a de ça quelques mois. Voilà, j'ai voulu revenir aux sources et je suis très heureux de revenir ici. Aujourd'hui on a fait 3 sommets, pas un seul. Ça prouve bien que Nix est monté en charge concrète. Allez, on va savourer l'instant. Ça fait plaisir. Bien, mesdames, messieurs, mes très chers viewers, c'est avec le cœur léger et apaisé que nous redescendons pour... Nous en avons pour à peu près 3 heures de marche pour rentrer au véhicule. 3 sommets, c'était un petit challenge quand même. Alors c'est pas des sommets, ça reste des 2000 mètres, hein, c'est pas non plus des rocheuses. Mais il fallait se donner quand même, et on l'a fait, Nick, je suis très fier de lui. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, je compte sur vous. N'hésitez pas à commenter également la vidéo pour me donner des challenges pour les prochaines vidéos, pour les prochains sommets, comme je vous l'ai dit. Nous sommes un, comme dirait je ne sais plus qui. Allez, je vous embrasse chaudement. Ciao, ciao, à dimanche prochain. Salut.